أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Succès très jeune, elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. Aujourd'hui, on va parler du miracle sensu dans le Coran, l'araignée. Donc, c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est dans les maisons et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et telles sont les paraboles que nous citons aux gens et seulement les savants qui les comprennent. Aujourd'hui, on va parler du miracle sensu dans le Coran, l'araignée. Donc, c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est dans les maisons et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et telles sont les paraboles que nous citons aux gens et seulement les savants qui les comprennent. Donc, pour l'araignée, qui fait la maison, l'étoile de l'araignée? C'est la femelle ou c'est le mâle? C'est la femelle. Et même dans des sorts, d'autres sorts de l'araignée, il y a des mâles qui aident à faire la maison, mais c'est la femelle qui fait la maison, c'est pas le mâle. Et il y a un savant allemand qui s'est converti à l'islam à cause d'une seule lettre dans le Coran, parce que si on a modifié une seule lettre plus, ça veut dire que c'est la femelle qui fait. C'est comme en français, par exemple, on dit l'araignée, c'est donner maison, donner, c'est avec deux œufs, parce que c'est féminin. Aussi en arabe, si on ajoute une seule lettre, ta, at-tanis, ça veut dire que c'est la femelle qui fait la maison et c'est pas le mâle. Après ça, deuxième chose, ici, que c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Comment fragile? Puisque maintenant, ils font des vestes, des gilets anti-balles, des lignes fines de l'araignée, de l'étoile de l'araignée. Parce qu'en fait, la maison de l'araignée. Nous, on prend notre maison. Pourquoi c'est fragile? On prend la maison pour se protéger contre la pluie, la neige, l'orage, quelqu'un qui prend son maison pour être protégé contre l'ennemi, contre n'importe quelle chose. Mais par contre, la maison de l'araignée, c'est pas comme ça. On voit tout dans la maison de l'araignée. Donc, c'est pas protégé, c'est... On voit tout. On voit tout. Qu'est-ce qui se passe dedans? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, que la maison de l'araignée, l'araignée, c'est une insecte très intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait dans le début? Elle fait une couche qui stick, que quand les autres insectes ils viennent dedans, ils ne peuvent pas bouger. Après ça, elle fait une autre couche normale qu'elle peut aller et manger les insectes après ça quand ils sont déjà morts. Donc déjà, on parle à maison fragile, on parle des insectes qui sont morts dedans. Elle les chasse dedans. En plus, que quand le mâle de l'araignée fait le sexe avec la femelle, s'il ne s'enfuit pas après 15 minutes, elle les tue dedans. Parce que la femelle, elle est plus grande que le mâle et il doit partir tout de suite. Dans 15 minutes, s'il ne part pas, elle les tue dedans.
Même les petits de l'araignée, quand ils sortent, entre eux aussi ils se bagarrent, et le fort qui reste, l'autre, ils se tuent entre eux, etc. Donc il n'y a pas la tranquillité dans la maison du tout. Tout, c'est du son, des problèmes dedans, des chasses, des problèmes. Ça, c'est pour la maison de l'araignée. Donc on sait maintenant que la maison, ce n'est pas une maison de tranquillité. Donc c'est une maison fragile de ce point-ci. Et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent, et maintenant on sait, parce que la science moderne a tout prouvé après des recherches scientifiques sur tout ça, et maintenant on sait, et c'était indiqué dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça, et le prophète Mohammed, c'est la grâce à la paix, il ne sait ni lire ni écrire, il vient du désert, et ça c'est une preuve comme quoi il est prophète, c'est la grâce à la paix. Donc, ceux qu'ils ont pris du protecteur en dehors d'Allah, ces gens-là ressemblent à l'araignée. Parce que l'araignée, elle a pris une maison pour être tranquille dedans. Mais en fait, ce n'est pas une maison tranquille, comme on l'a vu. C'est la chasse, problème avec le mâle, problème avec les bébés qui sont dedans, etc. Comme ça. Donc, c'est pas la tranquillité dedans. Donc, dans le Coran, c'est indiqué ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est dans les maisons. Donc, c'est la femelle qui fait la maison. Et ces gens-là qui ont dit qu'ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, ils sont comme l'araignée. Elle a pris une maison et ils ont pensé que c'est la tranquillité dedans. C'est une maison. C'est une maison. Mais en fait, c'est pas une maison. Il n'y a personne qui veut rester dans une maison comme ça. Parce que cette maison-là, il y a toujours des problèmes dedans, comme on l'a vu. Donc il n'y a personne qui souhaite avoir une maison comme ça. En plus, tout le monde voit qu'est-ce qui se passe dans la maison. Parce que ce n'est pas protégé, il n'y a pas comme notre maison, des murs, ou etc. Donc ces gens-là ressemblent à l'araignée. Ils ont pris cette maison-là, mais en fait, ce n'était pas une maison. C'est quelque chose de pas tranquille pour eux. Et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et telles sont les paraboles que nous citons aux gens, et seulement les savants qui les comprennent. Tellement clair le ayat. Wallahu a'lam.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والله أعلم.